bonjour. Apparemment, vous avez tous beaucoup apprécié ma prestation de vulgarisateur scientifique dans le dernier épisode. J'ai été inondé de mails pour me poser de grandes questions scientifiques. Notre webmaster va vous en partager quelques-unes. Hé, hey, Morvax, c'est toi le webmaster, c'est à toi là. Ah oui. Ah, c'est un message de Jean-Augustin. Cher professeur Murphy, une amie de mon épouse m'a raconté, entre deux cookies sans gluten au miel biodynamique, que la lévitation des moines tibétains était parfaitement avérée. C'est quoi cette histoire ? Bonjour Jean-Augustin, merci de ton mail. La lévitation est un phénomène fascinant issu de la physique quantique. Cela se pratique avec des aimants néodyme samarium cobalt qui flottent sur un supraconducteur refroidi avec de l'azote liquide. Comme tu t'en doutes, ce n'est pas le cas chez les moines tibétains car ils ne sont pas refroidis à moins 195 degrés et aucun d'entre eux n'est fait avec un cocktail de terre rare que l'on appelle lanthanide, si jamais. Ils utilisent une méthode naturelle qui devrait bien plaire à cet ami. Il s'agit de ne boire que de la tisane de prêle pendant plusieurs jours. Ce jeûne va modifier le symbiote intestinal grâce à l'alcalinité du tube digestif. Puis, ils font un régime à base de choux, haricots et oignons lors de la pleine lune. C'est pour profiter pleinement de l'effet de marée sur la microflore du côlon. Les enzymes de la fermentation vont hydrolyser les longues chaînes d'oligosaccharides, ce qui aboutit à un dégagement de gaz sous pression. La technique des grands maîtres consiste à se concentrer fortement pour maîtriser le mouvement du sphincter. La puissance est réglée en comparant le bruit de l'écoulement du gaz à celui d'un bol tibétain qui sert de référence, comme un diapason. La détente est alors capable de fournir de la portance renforcée par un effet Bernoulli lié à l'écoulement du fluide. On remarque parfois un léger refroidissement lié à l'expansion du gaz conformément à la loi des gaz parfaits. Vu le caractère alcalin et anaérobie du milieu, c'est sans surprise que les gaz de propulsion sont majoritairement constitués de méthane fortement inflammable. Il vaut mieux éviter de fumer, sinon le moine tibétain ne va pas se contenter de léviter, il va être satellisé immédiatement. Cela dit, ce serait une solution pour que la province du Tibet puisse avoir un accès à l'espace en orbite basse, tout en offrant un moyen de cautériser les hémorroïdes. Du 2 en 1, c'est formidable. Tu pourras expliquer cette technique à l'ami de ton épouse lors de ta prochaine soirée vegan en lui proposant une démonstration à base de choux farcis au tempeh et à l'oignon. Succès garanti! Voilà, j'espère que cette capsule vous aura apporté de quoi briller dans vos soirées mondaines. N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions en commentaire, nous sélectionnerons quelques réponses. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, hein. J'ai même envie de tester pour savoir si c'est vrai. Voilà la preuve d'une démarche citoyenne vers des énergies renouvelables à faible empreinte carbonée. Mais juste, hein, tu me préviens avant, grand gourou de la flatulence éco-responsable.